Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un nouveau chapitre du programme de terminale S de physique-chimie, transmettre et stocker de l'information. Donc, on va commencer par la première partie qui est la transmission. Et pour cela, on va tout d'abord définir ce que c'est qu'une chaîne de transmission. Eh bien, tout simplement, la chaîne de transmission, c'est l'ensemble des éléments qui permet de transmettre une information d'un point vers un autre. Donc voici une représentation schématique de cette chaîne de transmission avec une information à transmettre qui va tout d'abord être encodée pour pouvoir être ensuite émise, reçue, décodée et lue. L'ensemble émetteur-récepteur constitue ce qu'on appelle le canal de transmission. Donc si on regarde sur cet exemple du téléphone filaire, le canal de transmission comprend l'émetteur, le récepteur et le câble qui les relie. Et vous avez une transformation ici d'un signal sonore en signal électrique, c'est l'encodage. Et la transformation du signal électrique en signal sonore, c'est le décodage. Alors, cette transmission d'informations peut être de deux natures. Elle peut être dite libre ou guidée. Si elle est libre, elle peut se propager dans toutes les directions possibles. C'est le cas, par exemple, des ondes électromagnétiques, utilisées, par exemple, par vos téléphones portables. Mais elle peut aussi être guidée via des câbles électriques ou des fibres optiques. Donc, les ondes électromagnétiques, qui correspondent donc à la transmission libre des informations, sont dans la catégorie des ondes hertziennes, enfin les ondes électromagnétiques utilisées pour la transmission d'informations font partie des ondes hertziennes. Et je vous ai remis ici le diagramme des ondes électromagnétiques avec les rayonnements les plus dangereux qui sont ici les rayonnements gamma. La partie visible de la lumière est ici et vous voyez que les ondes hertziennes utilisées pour la télécommunication se situent pour des longueurs d'onde plus grandes, pardon, ou des fréquences plus petites. Et la fréquence est liée à l'énergie, donc on est sur des ondes moins énergétiques pour les ondes de transmission d'information. Alors parlons maintenant de la transmission guidée de l'information. Elle se fait via donc des câbles électriques ou des fibres optiques. Et pour qualifier la qualité de cette transmission, on va avoir deux critères, l'atténuation et le bruit. L'atténuation, c'est la perte de puissance, donc on compare tout simplement la puissance d'entrée et la puissance de sortie du signal. Et le bruit, ça va être sa déformation. S'il y a des parasites qui interfèrent et qui modifient la forme du signal, on va dire qu'il y a du bruit. Donc voici quelques exemples de câbles qui sont utilisés pour la transmission d'informations. Vous avez là un câble Ethernet, vous avez ici un câble coaxial, donc là par exemple qui va permettre de relier votre box à votre télé ou à votre ordinateur. Là vous avez un câble qui relie votre parabole à votre décodeur par exemple. Et vous avez maintenant des matériaux qui permettent une transmission de bien meilleure qualité. Vous avez peut-être la chance d'avoir le câblage en fibre optique pour vous amener Internet. Dans le cas de la fibre optique, donc on a une meilleure transmission, bien qu'il y ait des variantes en fonction des fibres optiques. Il en existe de différentes qualités et l'emploi de ces différentes fibres optiques va dépendre bien sûr de l'emploi, de l'utilisation qui est nécessaire. Tout dépend de la distance, bien évidemment, de transmission et de la qualité requise. Vous avez là trois représentations de fibres optiques. La plus simple et celle qui est de moins bonne qualité, c'est la fibre optique à saut d'indice et c'est une fibre optique multimodale. Alors, à saut d'indice, ça se manifeste par des changements de direction dans le cœur de la fibre qui se font de manière entre guillemets brutale. Vous avez donc une succession de lignes brisées. Et multimodal, ça se manifeste par le fait que le message en fait n'est pas un message monochromatique en quelque sorte, hein. Il est constitué d'un ensemble de différents constituants. Et au fur et à mesure des différentes
réflexion, eh bien, on voit que le signal a tendance à s'éparpiller en quelque sorte. Et là, c'est la création, c'est la génération de bruit. Donc, d'une part, on va avoir une atténuation assez forte, comme vous pouvez le voir, mais vous pouvez aussi constater l'apparition de bruit, donc une déformation du signal. Et ça, c'est évidemment pas ce que l'on recherche. Là, vous avez une autre fibre optique multimodale, donc toujours avec deux signaux qui sont représentés, mais cette fois à gradient d'indice, c'est-à-dire que les changements de direction se font de manière beaucoup moins brutale. Dans le cœur de la fibre, vous avez l'indice de réfraction qui varie de manière graduelle et non pas brutale. Donc là, on obtient un signal de sortie qui est de meilleure qualité que dans le cas de la fibre multimodale à saut d'indice. Et enfin, la fibre monomodale. Donc cette fibre monomodale avec un cœur extrêmement fin permet de limiter l'apparition de bruit et vous pouvez constater qu'en sortie on a une puissance qui est pratiquement identique à celle d'entrée, donc on va avoir très peu d'atténuation. Cette fibre, elle est évidemment de meilleure qualité, mais on le verra tout à l'heure, elle a un coût aussi beaucoup plus important, donc on ne va pas l'utiliser tout le temps. Donc voilà les différents critères, les différentes caractéristiques de ces fibres, et on va les employer donc en fonction des besoins qu'on en a. Alors, définissons et allons plus loin dans l'explication de ce que c'est que l'atténuation. Donc, je vous ai dit que l'atténuation, ça mesure en quelque sorte la perte de signal en termes de puissance. Donc, on va comparer tout simplement la puissance d'entrée et la puissance de sortie, exprimées toutes les deux en watts. Quand on fait un rapport de deux grandeurs dans la même unité, on obtient bien sûr un nombre sans unité. Les puissances d'entrée et de sortie peuvent être extrêmement différentes l'une de l'autre. Ça peut varier de nombreuses puissances de 10 quand on les compare. Donc pour éviter d'avoir à manipuler des nombres trop grands, comme on l'a déjà vu pour le niveau d'intensité sonore ou dans le cas du pH, on va utiliser la fonction log qui permet donc d'avoir des valeurs beaucoup plus condensées et beaucoup plus faciles à interpréter. Et le résultat étant en décibels, eh bien, vous avez le coefficient 10 hein, qui intervient ici exactement comme avec le niveau d'intensité sonore. C'est une formule qui ressemble beaucoup à celle que l'on a vue dans un chapitre précédent. Donc voilà comment on définit l'atténuation d'un câble en comparant puissance d'entrée et puissance de sortie. Et puis, ce n'est pas une comparaison toute simple, mais ça revient à ça. Alors si on veut comparer deux matériaux pour savoir lequel va avoir une meilleure ou une moins bonne atténuation, il faut aussi tenir compte de la longueur du trajet. Et donc ce n'est pas tout à fait l'atténuation que l'on va comparer, mais le coefficient d'atténuation qui est en fait exprimé en décibels par mètre. Donc ça dépend de l'atténuation totale du câble, mais ça dépend aussi de sa longueur. Et c'est ce coefficient alpha qui va permettre de comparer les câbles ou les fibres optiques. Donc deux exemples qui permettent d'illustrer les valeurs. La fibre monomodale dont on a parlé tout à l'heure, qui est de bien meilleure qualité, vous voyez un coefficient d'atténuation qui est extrêmement faible, de puissance de 10-4 décibels par mètre, alors que dans le câble coaxial, vous avez une valeur de 0,2 décibels par mètre, soit 1000 fois plus fort. Donc on est sur deux câbles qui sont extrêmement différents en termes d'atténuation. Pour autant, le câble coaxial, dans le cas d'une antenne satellite, est largement suffisant parce que, bien évidemment, on n'a pas besoin de transmettre de l'information sur des kilomètres et des kilomètres. C'est quelques dizaines de mètres tout au mieux, donc c'est tout à fait, suffisant. Alors pour pouvoir choisir un bon câble, il faut aussi tenir compte de la vitesse à laquelle les informations vont être transmises. Et ceci est exprimé grâce au débit de transmission. Alors on est ici dans le cas bien évidemment d'une transmission de messages numériques, et vous le savez, on va le redévelopper après, ce message numérique est constitué de 0 et de 1, on dit que c'est un message binaire, et il transmet ce qu'on appelle des bits. Des bits, ce sont des informations donc codées et qui peuvent prendre deux valeurs, 0 ou 1. Bit vient de binary digit. Et donc ce message binaire constitué de 0 et de 1, en fonction de la vitesse à laquelle on va pouvoir transmettre ce message, va nous donner un renseignement sur la qualité de la fibre.
Alors, petite parenthèse sur ce que c'est qu'un bit, donc binary digit, je l'ai dit, un nombre qui peut prendre deux valeurs, 0 ou 1. Et donc, quand on va passer d'un message analogique à un message numérique, on va voir que le codage consiste à attribuer à une valeur analogique un code. Et bien évidemment, plus on peut mettre de nombres dans le code, plus ce code va être précis. Donc, si on fait un codage avec 2 bits, ça veut dire qu'une valeur, on va lui attribuer un code constitué de deux numéros, 0 ou 1. Et avec deux nombres 0 ou 1, on peut faire quatre valeurs qui sont ici 00, 01, 10, 11. Si on décide que à chaque valeur, on aura un code de 3 bits, eh bien dans ce cas-là, ça nous fait 8 valeurs possibles, et ainsi de suite. Donc le nombre de valeurs possibles dépend du nombre de bits qu'on utilise pour le codage, et ce nombre est égal à 2 puissance n. Donc le débit binaire, le débit de transmission, il va dépendre du nombre de bits, bien évidemment, qui vont être transmises pendant une certaine durée. Donc le débit binaire, n sur delta t, va s'exprimer en bits par seconde. Donc si je reprends un tableau qui compare différents câbles, on a vu évidemment que le coefficient d'atténuation pouvait être très variable entre la fibre monomodale et d'autres câbles, mais il y a évidemment le débit binaire qui va être lui aussi très variable. Vous voyez que dans la fibre monomodale, on est à 10 gigabits par seconde, alors que dans un câble torsadé, on va avoir un débit de seulement, entre guillemets, 100 mégabits par seconde, donc très nettement inférieur. Donc voilà deux critères qui penchent vers la fibre monomodale, bien évidemment, mais la contrepartie, vous le constatez, c'est que le coût, bien évidemment, est extrêmement important. Alors, je vous ai parlé du codage. On va développer maintenant cette partie-là pour passer d'un message analogique à un message numérique. Donc, le monde dans lequel on vit est fait de grandeurs qui varient de manière continue au cours du temps. On dit qu'elles sont analogiques, par exemple. Si vous enregistrez le son produit par un instrument de musique, eh bien, ce son est un message analogique. Si on veut le transformer en message numérique, eh bien, il va falloir attribuer des valeurs analogiques aux valeurs analogiques. Il va falloir leur attribuer donc un code en message binaire. Voilà comment on peut différencier de manière très simple le message analogique avec des variations au cours du temps qui sont complètement continues, alors que dans le cas du message numérique, les variations au cours du temps se font de manière brutale par palier. Évidemment, là, on a un message numérique qui n'est pas de très bonne qualité, mais on comprend bien la différence entre les deux. C'est très bien illustré ici. Pour pouvoir passer de l'un à l'autre, on utilise un convertisseur analogique numérique, symbolisé par les trois lettres CAN, et voilà donc une manière de représenter cette conversion. On passe d'un message analogique à un message numérique constitué de 0 et de 1 grâce au convertisseur. La numérisation du signal se passe en trois étapes. Vous avez donc là, dans la représentation la plus proche de nous, le message analogique avec une variation continue au cours du temps. Et puis, dans les étapes suivantes, on va arriver jusque à l'information codée. La première des étapes, c'est l'échantillonnage, puis la quantification, puis le codage. Alors rapidement, l'échantillonnage consiste à prélever certaines valeurs du message analogique. La quantification va en fait découper les valeurs permises en un certain nombre de valeurs qui dépend du nombre de bits qu'on va utiliser pour le code. Et enfin, le codage, eh bien, c'est attribuer un code à chacun des échantillons que l'on a prélevés. Donc on va reprendre chacune de ces étapes, en commençant donc par l'échantillonnage. L'échantillonnage, je l'ai dit, c'est le prélèvement donc de valeurs d'échantillons à intervalles de temps réguliers. Cet intervalle de temps régulier va s'appeler la période d'échantillonnage, et bien évidemment, associée à une période, on peut exprimer une fréquence d'échantillonnage exprimée en hertz. Je suis désolé pour la ventilation de l'ordinateur, j'espère que ça ne perturbe pas trop l'audition. Donc, pour pouvoir utiliser cette formule, bien évidemment, comme toute relation période-fréquence, pensez bien à mettre la période en secondes.
L'échantillonnage, donc, voilà comment on peut le représenter aussi. C'est un découpage vertical de la courbe à intervalle de temps régulier, donc la période d'échantillonnage. Évidemment, plus la période est petite, plus la courbe va être divisée en un nombre important de bandes. Ensuite, on va attribuer à chacun des échantillons la valeur de la tension qu'il avait au début de la bande, comme ceci. Voilà, pour l'échantillonnage. Et au final, on aura donc transformé une courbe qui variait de manière continue, donc une courbe analogique, en un escalier, on va dire. Ce n'est plus vraiment une courbe, mais une succession de valeurs, voilà, qui forme donc un escalier et dont la forme fait penser, bien évidemment, au message de départ, mais évidemment avec un nombre d'informations perdues assez important. Alors les étapes suivantes, quantification et codage, basé donc sur un découpage vertical cette fois-ci de la courbe, puisque ces valeurs prélevées, ces échantillons, il va falloir maintenant leur attribuer un code. Alors si on fait un codage, je l'ai dit tout à l'heure, avec 1 bit, on va avoir 2 valeurs possibles, 2 bits, 4 valeurs possibles, 3 bits, 8 valeurs possibles, et ainsi de suite. Donc un codage 8 bits, 256 valeurs. Pour comprendre la situation, on va faire un exemple qui n'est pas réel, parce qu'il ne serait pas de bonne qualité, mais qui va être suffisamment visuel. C'est un codage 3 bits, donc avec 8 valeurs possibles. Donc si on décide de coder avec 3 bits, on obtient 8 valeurs possibles et ça va nous faire un découpage horizontal en 8 bandes différentes. Comme ceci. À chacune des bandes, on attribue donc un code en partant du plus bas, donc le code 000, au code le plus haut qui va être le code 111. Et on n'a plus qu'à attribuer pour chacune des valeurs échantillonnées, le code le plus proche. Et ça va nous donner donc une courbe en escalier qui ressemble un petit peu à celle-ci, mais qui va être légèrement modifiée, parce qu'évidemment, les valeurs quantifiées, les valeurs possibles, sont représentées sur les lignes pointillées. Ça va venir. Voilà. Et ainsi de suite pour le reste de la courbe, si ça veut bien apparaître. Voilà, hop. Non, attendez, je suis allé un tout petit peu vite. Bon, il y a des petits aléas, je suis bien désolé. Voilà, donc là, on obtient une courbe en escalier qui est légèrement déformée par rapport à celle-ci, donc encore des informations qui sont perdues entre l'échantillonnage et le codage, bien évidemment. Alors, ce qui va être caractéristique de la qualité du codage, c'est la différence qu'il y a entre les différentes valeurs permises. Ici, là, elle est relativement importante, donc on a un codage de bien mauvaise qualité. Cette différence entre deux valeurs permises, c'est ce qu'on appelle le pas. Et le pas ou la résolution du convertisseur, noté par la lettre petit p, eh bien, il va s'obtenir tout simplement en divisant la plage de mesure. La plage de mesure, c'est l'étendue des valeurs entre la plus petite et la plus grande. On est sur des tensions qui sont mesurées, donc elles s'expriment en volts, cette plage de mesure. Le pas en volts, c'est la différence entre deux valeurs permises. Et on va diviser cette plage de mesure, donc cette étendue de valeurs, par le nombre de codes possibles obtenus, 2 puissance n, n étant le nombre de bits obtenus. Donc avec 3, comme on l'a vu tout à l'heure, on divisait en 8 la plage de mesure. Si on fait un codage 8 bits, eh bien on va obtenir 256 valeurs possibles. La valeur permise est enfin donc codée par un nombre binaire, comme on l'avait vu juste avant.
La qualité de la numérisation est augmentée si la fréquence d'échantillonnage augmente et si la résolution diminue. Pour résumer toute cette étape, évidemment, le code final va être beaucoup plus proche du message analogique de départ si on a un découpage vertical très fin, donc une fréquence d'échantillonnage importante, et un découpage horizontal, lui aussi très fin, c'est-à-dire un pas tout petit ou un nombre de bits important. Alors passons maintenant aux caractéristiques d'une image numérique et on va tout d'abord redéfinir comment on obtient les différentes couleurs qu'on a sur un écran numérique. Si vous regardez à la loupe un écran, vous allez voir qu'il est constitué de tout petits carrés qu'on appelle des pixels et à l'intérieur de ces pixels, vous allez peut-être distinguer trois sous-pixels, un rouge, un vert, un bleu, tout simplement parce que vous l'avez vu en classe de première, à l'aide du rouge, du vert et du bleu, par synthèse additive, on est capable de former toutes les couleurs possibles. Alors, avec des écrans classiques, tels que celui de votre ordinateur ou votre téléphone portable ou votre télé, on a un codage RVB 24 bits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le codage RVB pour rouge, vert, bleu, bien évidemment, et 24 bits, tout simplement parce qu'on va attribuer 8 bits pour chacun des codes couleurs. Donc 8 bits pour le rouge, 8 bits pour le vert, 8 bits pour le bleu. Ça veut dire que dans un pixel, le sous-pixel rouge, la couleur du sous-pixel rouge, va être caractérisée par une succession de 8 chiffres, des 0 ou des 1, 8 bits. Et en fait, 8 bits, c'est ce qui s'appelle un octet. Dans octet, on reconnaît hein, la racine oct qui fait penser à 8 et on exprime plus souvent l'information et la taille de l'information à l'aide d'octets plutôt qu'avec des bits. Donc chaque sous-pixel va être codé par une succession de 8 nombres, 8 bits, soit un octet. On a ainsi 256 valeurs possibles pour un sous-pixel. Et comme la teinte du pixel dépend de la synthèse des trois sous-pixels, eh bien le pixel va avoir un nombre de teintes égal à 256 puissance 3, soit environ 16 millions de couleurs. Donc là, le codage RVB 24 bits, il est extrêmement précis et extrêmement varié en termes de couleurs. Alors, un exemple de codage RVB. Alors, si vous avez dans un tableau de codage, dans les exercices, un codage 000, eh bien ça veut tout simplement dire qu'on a attribué la valeur 0 au rouge, 0 au vert, 0 au bleu. Autrement dit, les trois sous-pixels sont complètement éteints et le résultat nous donne bien évidemment du noir. Alors attention, si je mets 000, ça ne veut pas dire que pour le rouge, on a un seul chiffre. C'est la valeur d'allumage, en quelque sorte, du sous-pixel, la valeur du sous-pixel est 0. Mais comme cette valeur est codée avec un octet, soit 8 bits, cette valeur 0, en fait, c'est une succession de 8 zéros. La valeur 0 est obtenue avec un codage 8 zéros. Au contraire, si vous avez un codage 255, 255, 255. Alors pourquoi 255? Parce que je l'ai dit juste avant, un codage 8 bits pour un sous-pixel donne 256 valeurs possibles, sachant que la première valeur possible est 0, la 256e valeur obtient, on la notera avec la valeur 255. Et donc avec le nombre 255. Ce nombre 255, on l'obtient avec quel code? Eh bien c'est le code maximal, autrement dit, une succession de 8, 1. Voilà le code 255. Donc là, au contraire de tout à l'heure, 255, 255, 255, ça veut dire 3 sous-pixels allumés au maximum, et quand on synthétise ces 3 sous-pixels, on obtient du blanc. Un autre exemple, 255, 0, 0, bon là, bien évidemment, le rouge est allumé au maximum, le vert et le bleu sont complètement éteints, on obtient un pixel rouge. On complique un petit peu la donne, 255 pour le rouge, 255 pour le vert, ils sont allumés au maximum, et le bleu est éteint au maximum, on a donc la synthèse de rouge et de vert, et attention, hein, on n'est pas en peinture, là on est en synthèse additive de lumière, vous l'avez vu en première, du rouge et du vert, ça donne du jaune.
Alors avec ce codage RVB 24 bits, on peut également créer des gris, des nuances de gris, sachant que le gris, c'est, tous les gris, c'est des intermédiaires entre le noir et le blanc. Et bien comment on obtient du gris? Tout simplement avec trois codes identiques. 000, 255, 255, 255 sont les valeurs extrêmes, mais n'importe quelle valeur avec trois codes identiques à l'intérieur nous donnera du gris. Bien évidemment, plus le nombre à l'intérieur est important, plus on va se rapprocher du gris clair. Une image numérique est donc codée par un tableau de nombres. Et donc, dans les exercices, vous rencontrerez parfois des tableaux avec donc un ensemble de nombres. Et l'exercice, en général, consiste à attribuer une case du tableau à un pixel d'une image. Alors, pour continuer les caractéristiques maintenant de l'image numérique, on va parler de la définition. Donc, la définition, ça s'assimile à la précision. Quand on dit qu'une image a une bonne définition et bien définie, c'est qu'elle est de bonne qualité. Et donc c'est lié au nombre de pixels qui la constituent. Plus il y a de pixels, meilleure va être la qualité de l'image. Mais bien évidemment, ça a un impact sur la taille de l'image. Quand on dit la taille, ça n'est évidemment pas les dimensions de l'image, tant de centimètres par tant de centimètres. La taille de l'image, c'est son poids, en quelque sorte, exprimé en bits ou en octets. Et donc le poids, la taille d'une image, c'est le nombre d'octets par pixel. Donc si on reprend l'exemple d'un codage RVB 24 bits, vous avez un octet pour chacun des sous-pixels, soit 3 octets pour un pixel. Donc voilà comment on pourrait calculer la taille d'une image. Si on prend cet exemple-là, le nombre d'octets par pixel, c'est 3. Et ensuite, le nombre de pixels qu'il y a dans l'image, nombre de pixels en largeur, en hauteur, on fait la multiplication et vous avez donc la taille en octets de cette image. Pour terminer, dernier paragraphe, le stockage de l'information. Alors, le stockage peut se faire dans différents supports. On va prendre l'exemple ici de CD, DVD, donc des supports rigides. Un CD ou un DVD, en fait, est constitué d'une piste de lecture en spirale. Et cette piste de lecture, si on pouvait l'observer de très très près, on verrait en fait qu'elle n'est constituée que de deux éléments différents, soit des plats, soit des creux. Et en fait, deux éléments différents, il n'y a pas de variante entre les deux, et le creux, tous les creux ont la même profondeur. On n'a pas besoin de davantage de variations pour stocker et lire de l'information binaire, tout simplement parce que l'information numérique binaire n'est constituée que de 0 et de 1, deux états différents. Donc physiquement, le support n'a pas besoin de contenir davantage de variations, des plats, des creux, ça va nous suffire complètement pour transmettre et stocker un message binaire. Alors si on regarde de coupe, on a ici l'exemple d'un faisceau laser qui éclaire un plat. Donc vous avez trois faisceaux laser qui partent vers le trois rayons laser qui constituent le faisceau, trois rayons laser qui partent vers le haut, et on voit les trois rayons réfléchis correspondants. Eh bien, si on compare les trois rayons une fois qu'ils sont revenus, ils ont parcouru exactement la même distance. Donc si on fait interférer ces rayons-là, puisque la différence de marche entre ces trois rayons est nulle, eh bien, petit rappel de ce qui a été vu de manière précédemment, dans le chapitre sur les interférences. Quand on a une différence de marche qui est nulle, on obtient des interférences constructives puisqu'elles sont caractérisées par la formule delta égale k fois lambda. Si d delta vaut 0, avec un k qui est égal à 0, cette formule-là est tout à fait satisfaisante. Et donc si on a des interférences constructives, la lumière reçue au niveau du lecteur va être maximale. Au contraire, lorsque on passe d'un creux à un plat ou d'un plat à un creux, eh bien on va avoir cette situation là. Le premier des rayons là, celui qui est à gauche, vous voyez qu'il tape, ouais, c'est peut-être pas idéal, il tape sur un plat et donc il va revenir par la suite. L'idéal aurait été de représenter le rayon ici. Bon, peu importe. Le deuxième rayon qui est ici, lui il va taper au fond du creux et il revient, et puis vous avez le troisième rayon qui tape sur le plat. Si on compare le rayon 1 et le rayon 2, ils n'ont pas parcouru, quand ils sont revenus, ils n'ont pas parcouru la même distance.
il y a une différence de marche cette fois qui n'est pas nulle, et on ne va pas choisir la profondeur du creux au hasard. Cette profondeur de creux, elle va valoir lambda sur 4. Ainsi, le rayon qui aura frappé le fond du creux aura parcouru au cours de son aller-retour deux fois lambda sur 4 en plus par rapport à celui qui a tapé un plat. Et deux fois lambda sur 4, ça fait lambda sur 2. Donc la différence de marche entre ces deux rayons est égale à lambda sur 2. Et cette fois, la formule qui fonctionne dans le cas des interférences, c'est celle-ci, avec un k qui vaut 0. On a bien delta qui vaut 1 demi fois lambda, lambda sur 2, et on a dans ce cas des interférences destructives, c'est-à-dire un minimum de lumière. Donc au niveau du détecteur dans votre lecteur CD-DVD, vous allez avoir une alternance de maximum de lumière, minimum de lumière, maximum de lumière, et ainsi de suite. Et ces variations, en fait, correspondent à des variations passage de 0 à 1, de 1 à 0. Et on retransforme donc ces variations de lumière en codage binaire. Voilà ce que je viens de dire. Pour terminer, capacité de stockage d'un support. Donc on vient de parler des CD et des DVD. Et bien évidemment, plus les lignes d'information vont être serrées les unes contre les autres, plus on va pouvoir mettre d'informations sur le disque. Donc l'intérêt, c'est d'avoir, de resserrer au maximum l'espace qu'il y a entre deux lignes de données. Mais attention à ce que le faisceau laser qui vient frapper les creux et les plats sur une ligne de données ne vienne pas intercepter et toucher les lignes voisines. C'est-à-dire que le faisceau laser, on l'a déjà vu, hein, c'est extrêmement directif, mais pour autant, le spot, le faisceau, a quand même une certaine largeur, et cette largeur de spot ne doit pas venir interférer et toucher les lignes de code qui sont situées juste à côté. Donc on va comparer ce qui se passe entre un Blu-ray et un DVD. Blu-ray laser bleu et un DVD laser rouge. Ce qui va différencier les deux. Alors, ouais, je suis allé un peu loin. Ce qui va différencier les deux, donc c'est la largeur du spot, et cette largeur de spot dépend de la longueur d'onde utilisée. Dans le cas d'un Blu-ray laser bleu, on est sur des longueurs d'onde qui se rapprochent de 400 nanomètres, alors que dans le cas d'un faisceau rouge pour un DVD, on est sur une longueur d'onde qui est plutôt dans les 650 nanomètres, donc plus importante. Donc avec un laser bleu, vous allez avoir un spot qui va être d'une dimension plus petite et qui a moins de risques de venir empiéter sur les lignes de code voisines. Donc on peut resserrer davantage les lignes de code, on peut mettre davantage d'informations sur un support qui aura exactement la même taille. Un Blu-ray et un DVD ont exactement la même taille, sauf que vous avez beaucoup plus de lignes de code sur un Blu-ray, vous avez beaucoup plus d'informations, l'image est de meilleure qualité. Alors il y a un deuxième phénomène qui va exactement dans le même sens, et ce phénomène, vous l'avez étudié aussi cette année, c'est le phénomène de diffraction. Il a lieu ce phénomène de diffraction quand un rayon lumineux, une onde, vient frapper un obstacle, et le CD ou le Blu-ray avec toutes ces lignes de code, toutes ces gravures, constituent une multitude d'obstacles. Donc le phénomène de diffraction a lieu, et ce phénomène de diffraction, en fait, provoque un éparpillement de la direction de propagation de la lumière, et cette information perdue, risque de venir interférer sur d'autres informations reçues. Donc dans le cas de la transmission d'informations, du stockage, ici, le phénomène de diffraction, c'est un phénomène qu'on cherche à atténuer au maximum. C'est un défaut qu'il faut réduire. Or, l'ouverture angulaire dans le cas du phénomène de diffraction est égale θ égale lambda sur a. Donc plus on va avoir un lambda petit, plus la figure de diffraction va être restreinte, et donc on aura ici quelque chose de meilleure qualité. Donc ça va dans le même sens. Le Blu-ray, donc, qui utilise un faisceau bleu, longueur d'onde plus petite que le rouge, va atténuer le phénomène de diffraction. Donc on obtient là encore quelque chose de préférable. Voilà pour ce chapitre. À très bientôt pour la suite du programme.